Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune saison 2. Cette semaine, petit tour à Iloni, afin de comprendre un étrange phénomène que l'on observe ici à Mayotte. J'ai nommé les Je viens d'eux. Les jeunes d'Iloni se sont intéressés à ce phénomène maoré et ont mené leur enquête afin de comprendre qui ils sont et d'où ils viennent. Derrière leurs pulls, leurs casquettes fashion, leurs chaînes en or, les Je viens d'eux nous livrent quelques-uns de leurs secrets. Alors, un Je viens d'eux, c'est un terme qu'on utilise pour les gens qui partent en voyage, soit en métropole, soit à La Réunion, et qui reviennent. Quand ils reviennent à Mayotte, on les appelle les Je viens d'eux, tout simplement. La manière de parler ou la manière de s'habiller, tout de suite, tu connais que c'est pas un gars qui vient de Mayotte, c'est pas un gars qui vit à Mayotte, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, il y a plein de styles d'habits américains ou Lacoste, tu vois. Par exemple, mais Lacoste, les gens ils disent que dès que tu t'aimes bien Lacoste, tu viens de La Réunion. Get the Fabulous Gang, Kaira. On le reconnaît par différents facteurs, par leurs habits, leur manière de parler, de marcher aussi. Je me présente Molotov, hey Undercover. Hey le micro chauffe, hey appelle-moi Mr. Over. Hey moi j'innove, hey depuis Radio Nova. Hey sur un son qui groove, qui va raser ta touffe. Pourquoi tu l'ouvres, hey quoi, qu'est-ce que tu me prouves, hey ta carrière je crève. Quand on revient, on a des nouvelles cheveux, des chevelures qui arrivent jusque-là. On a aussi. La mode là-bas, ça arrive pas toujours en même temps qu'ici. Ils amènent de nouveaux habits que nous aussi on ne porte pas. Puis on les voit par rapport à ça, on va dire. Ah, maintenant, là, la plupart, les mecs qui viennent de métropole, tu vois tout de suite. Et tous les jours, tu vois, ils s'habillent en américain, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ou je sais pas, comme tu veux, mais bien quoi. Mais un mec qui vient d'ici, ben, il peut s'habiller en américain tout le temps. Mais tu verras tout de suite, il va changer, il va s'habiller de la manière du bled, tu vois ce que je veux dire. La manière du bled, je veux dire, vite fait, en bien un petit caleçon, des petits savates, c'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire. Le bois ou les nagis pour tout, tout, bah salut les filles. J'aimerais. Vous allez bien? Ça va, bonsoir. Excusez-moi, je comprends pas bien votre langue. Oh moi, je viens de métropole. Bon, je viens de l'eau. Non, moi, je vais au master, quoi. Et voilà, on va nous guillotiner. Le monde quoi. Par rapport à Maoré au master à Nosk. Maintenant on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire des beaux habits quoi. Oui, moi je trouve aussi que les gens quand ils partent, quand ils reviennent, ils sont plus grands que quand ils repartaient. Enfin, ils partent avec 1m52, ils reviennent avec 1m118, alors que moi je suis ici, je grandis pas forcément. Après, le mot je viens de vraiment ça veut dire vendre, tu vois. Ça, on peut le dire, c'est du vent et soif maintenant. La plupart des mecs, ils ont jamais bougé de Mayotte, tu vois. Quand ils te voient venir, tu vois, ils te disent direct, ouais, tu te la pètes, t'es un vantard, tu t'habites de telle manière, tu vois. Voilà, on va se dire qu'on t'envoie à nous, à Zola Morivan, dans la Réunion. On va se dire qu'on t'envoie à la Morivan, dans la Réunion, à la Morivan. Mais tu vois, c'est un mot de vue, tu vois ce que je veux dire. Comme je te dis, si tu n'as pas bougé, aller voir ailleurs, tu ne sauras jamais ce qui se passe, tu vois. Moi-même, je suis dit que je suis en Afrique. Je suis souffert sauf la misère de Dieu. Quand je suis en Afrique, je suis en Afrique. Le problème de jalousie existe, oui, entre les jeunes et ceux qui sont restés. Parce que des fois, quand ils partent, quand ils reviennent, ils ont des nouveaux visages. Nous, on a les mêmes visages, ça n'a pas changé. On ne sait pas pourquoi jaloux qui existe dans votre vocabulaire déjà. Et puis des fois, on nous pique nos copains, nous qu'on est restés ici, et puis c'est un problème aussi.
C'est café à café, une vieille cour. Pour moi, je pense que je viens d'eux, je suis juste simplement heureux que voilà, je suis parti chercher mes études à métropole. Un jour ou l'autre, je vais venir travailler à Mayotte. La métropole, c'est que là-bas, la vie, bof, c'est pas facile parce que tout le temps tu fais des dépenses. On vit tout seul, on doit payer le loyer, faire ses courses, alors qu'ici à Mayotte, les mamans font ça pour nous, nos parents en fait. Et ouais, casquettine, on a changé quoi? Il signifie plus de 50 euros. Mais c'est 50 euros, on n'en pas. On se fait qu'il y a une casquettine. Jamais. On a 10 paires à sardines. Nous avons boisson, nous avons le jour. Alors, un message pour ceux qui veulent partir en métropole, ça serait de partir pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas se dire que rester à Mayotte, c'est bien, c'est vrai. Mais aller ailleurs, voir ce qui se passe, c'est bien aussi. Pour mieux évoluer dans la vie et apprendre des choses qu'on n'apprend pas forcément en restant à Mayotte. Lors de ces diverses projections, ce film a été apprécié par les Maorais et les Métropolitains. Il a été notamment primé en métropole en octobre 2008 lors du festival Regards Jeunes sur la Cité. Il est arrivé quatrième dans la catégorie Vivre Ensemble. Le Clèche de Dembéni a permis à quatre de ces jeunes ayant participé à la réalisation de ce film de partir en métropole afin de présenter leur reportage. Ils nous racontent leur aventure. Pourquoi avez-vous réalisé un film sur ce phénomène? On a réalisé un film sur ce phénomène parce que c'est un phénomène qui revient souvent chez nous et qui différencie surtout sur les personnes qui restent et ceux qui partent. On a fait un film sur les jeunes pour leur montrer qu'on en avait marre. Quand ils viennent ici, la frime, les filles c'est boucles d'oreilles, talons hauts et tout. Les garçons c'est boucles d'oreilles aussi. Grosses chaînes qui pendent jusqu'à je sais pas où là, les baguilles et tout. Et quand ils arrivent, c'est soit ils prennent les copines des autres en se la pétant dans les rues là. On voulait montrer qu'il y a deux réalités économiques entre les fumeurs, pourquoi qu'ils ont tout, des iPods et tout, et des belles baguilles et tout, des casquettes, et ceux qui sont restés qui n'ont pas forcément les moyens pour s'acheter tout ça quoi. Quand on a interviewé les gens dans la rue, il y en avait plein qui s'étaient intéressés parce que certains ils étaient pas, en fait, ils étaient pas contents des arrivées parce qu'ils se la pétaient trop, ceci, ils savaient pas parler maorais, soi-disant qu'ils savaient pas parler maorais. On a choisi ce film pour dire aux G22 de se comporter de mode maorais parce qu'ils sont tous des maorais. On a aussi fait ce film pour montrer que ce sujet n'était pas un sujet tabou. Pour montrer qu'on peut en parler sans autant vexer si soi-disant je viens d'eux. Et je viens d'eux, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde puisque ça revient plusieurs fois à Mayotte, surtout les arrivées. Dès que c'est pendant les vacances comme ça, on pose des questions, qu'est-ce que je viens d'eux va arriver et tout. Est-ce que d'aller en métropole t'a permis de mieux comprendre les je viens d'eux? J'ai vu ce qui se passait là-bas, j'ai essayé de comprendre ces pauvres je viens d'eux. Qui en étant là-bas ne pouvaient pas fumer parce que c'est vrai, ils ont les mêmes fringues que les autres. Quand ils viennent ici, on peut le comprendre qu'ils ont envie de fumer aussi parce qu'ici, on n'a pas ce qu'ils ont là-bas. Ça leur met plus en valeur. En allant là-bas, ça m'a permis de mieux voir la différence de mode de vie. Parce que j'ai vu que là-bas, les gens ne se voyaient pas, ne se regardaient pas. Il y avait beaucoup de monde. Et les G22 qui sont là-bas, ils ont le mode de vie trop difficile et en revenant ici, ils ont envie de se lâcher. Comment votre film a-t-il été reçu par le public en métropole? Notre film a été bien reçu à métropole parce que
C'était la première fois qu'ils entendent le mot « je viens d'où », donc ça leur fait un peu marrer. Notre film a été reçu avec succès. Et on peut dire que les gens là-bas ont un peu découvert ce que c'est Mayotte. Les spectateurs ont bien apprécié notre film parce que déjà ils ont découvert des mots nouveaux. Il y avait des choses à découvrir aussi, comme quoi, comment on faisait notre, comment dire, notre banca avec des feuilles de cocotier. On peut dire qu'on a fait briller Mayotte parce que sur 100 films, on a fini le 4e, on a gagné le 4e prix. On a le 4e prix, donc on était contents et tout. On était émus, et moi qui a pleuré sur scène en recevant le prix et tous les cadeaux. Donc c'était super en fait. Non seulement ça nous a fait plaisir d'avoir reçu le 4e prix, et aussi que les Français ne nous ont pas oubliés. On a vu que les Français s'intéressaient un peu à nous, de nos cultures et tout. Ils étaient fiers de nous. Pour nous, c'est comme si on n'a pas fait le film pour rien. Quel message souhaiterais-tu passer aux « Je viens d'eux » ou aux Mahorais qui ne sont jamais partis? Je voudrais m'adresser aux « Je viens d'eux ». Ils devraient se sentir à l'aise et ne pas nous montrer qu'ils ont je ne sais pas quoi, alors qu'ils peuvent rester naturels avec nous et sans frimer. Un petit conseil pour ceux qui restent à Mayotte, c'est d'aller ailleurs et de voir ce qui se passe dans le monde pour découvrir un peu. On voudrait dire aux Je viens d'eux et ceux qui ne sont pas Je viens d'eux, qui sont tous des Maoris et qui ne doivent pas être jaloux entre eux. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. Kwaeri.